Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Tony Cipriani pour le deuxième épisode de GTA Liberty City Stories, les petits amis. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Et il se met à pleuvoir, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, au lieu d'aller parler à Vincenzo, on va juste récupérer cette petite Sanchez. Et on va commencer tout ce qui est annexe, les petits amis. Mais dans un premier temps, il faut que j'aille vérifier quelque chose à l'ammunition pour voir si le Uzi est bien disponible. Car au programme, j'aimerais bien faire la mission autodéfense rapidement. Du moins dans quelques vidéos, lorsque j'aurai assez de thunes pour m'acheter assez de munitions de Uzi. Mais il faut que je vérifie s'il est bien disponible. Alors je le vois, le flingue et le Uzi. Donc, je pense que c'est bon signe. Ça coûte combien? Ça coûte rien, stock épuisé, super, donc c'est pas encore accessible. Il faudra qu'on continue les missions principales pour ça. Mais bon, on va pas désespérer. But des prochaines vidéos, c'est se faire un maximum de pognon, comme ça dès qu'il sera disponible, on ira en acheter plein pour pouvoir faire l'autodéfense tranquillement. Alors par quoi on va commencer? On va voir si le camion de pompier est bien là. Il est bien là. Et bien pourquoi pas faire les 12 niveaux du camion de pompier. Des missions fire pompier. Ok, bah allez-y, hein. Let's go. Ah non, c'est pas le bon bouton. Véhicule en flamme, repéré dans le secteur de Callahan Point, va vite l'éteindre. J'y vais. On est donc reparti hein, pour refaire de la mission annexe. Comme dans Vice City Stories. On avait enchaîné beaucoup de vidéos. Les ambulances, les pompiers, l'autodéfense. Là je sais que dans Liberty City Stories, il y a genre... attendez, je peux passer par là. Des missions de livraison de nouilles. C'est pas des livraisons de pizza, c'est des livraisons de nouilles. 1 minute 22, par contre faudrait pas que je fasse n'importe quoi au niveau du temps. Et que je casse... Oh là 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 là, je le sens pas du tout. Ce premier niveau là, je le sens pas du tout. Faudrait pas casser le camion dès le début. J'aurais dû regarder sur le plan. Car là je pense que je me suis compliqué la vie. Allez, c'est pas grave. On y va. Feu éteint. Nickel. Deuxième niveau, où est-ce qu'il est? Oh là là, il va falloir... ok. Il va falloir faire vite. Alors non, par contre, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, ne me coupez pas la route comme ça pour m'esquinter le camion. Ça serait vraiment pas cool. Ah, je sens que cet axe, il va être dangereux. Mais dangereux de fou, quoi. Oh là 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 là, oh là là. Ah, je le sens moyen. Ça va être beaucoup moins facile que sur Vice City Stories, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Faut juste bien prévoir ses trajets, ses trajectoires. Vas-y toi, je t'arrose. Ok, niveau 2 terminé. Le prochain, un véhicule en flamme, il est pas très loin. Faudra également que je vous réserve 5-6 minutes de montage pour les 100 courses de taxi. Que je ne vous ferai pas en vidéo, hein. Je vous montrerai juste... comme dans les jeux précédents, lorsque j'embarque les clients, ou du moins lorsqu'ils claquent les portières. Une fois que la course est terminée. Ok. Véhicule en flamme. Où ça ?
Bon, mais il faut que je trace. Moins d'une minute, c'est abusé. Faut que je trace. Pousse-toi de là, le motard. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ce feu rouge là. Oh là 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 là. Oh, mais attendez, il y avait encore une bouche à incendie qui était en train de. Déverser tout son eau sur le trottoir. Allez. Arrose-les, ne partez pas trop loin. Ok. Feu éteint, véhicule en flamme, c'est où? 2 minutes, on commence à avoir pas mal de. On va repasser par là. On va repasser par là où on est arrivé. Et on va tracer par la petite ruelle raccourcie que je prends régulièrement. Déjà niveau 5, c'est cool. Il y a également pas mal de petites courses à faire sur le jeu. Des courses classiques et des courses avec des mini véhicules RC, je crois que ça s'appelle. Hein. J'ai toute une liste de choses à faire. Et j'ai bien l'intention de vous faire tout ça à 100%. Ok. Allez, allez, allez. Non, monsieur de la police, là, non. Ok, c'est cool. Véhicule en flamme ou ça, là? D'accord. J'y vais tout de suite. Est-ce qu'on peut passer par là pour aller plus vite? Je crois que je fais n'importe quoi, non? Ah, quoique. Quoique, quoique. Pourquoi pas? Oh, aïe aïe aïe. Poussez-vous. Ah, ça, c'est bien ça. J'avais oublié. J'avais oublié. Bon, ça fonctionne pas sur les véhicules qui sont à l'arrêt au feu rouge. Mais ça peut me servir un petit peu, quoi. Ok. On y va. Vas-y, arrose, arrose, arrose. Il vaut mieux faire ces missions avant que les gangs nous en veuillent. Niveau 7, c'est cool. Il se trouve où? Encore tout là-bas. On va pas faire de jump là, non. Faut pas rêver. Faut pas trop rêver. On va pas risquer de retourner le camion. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Lorsque tout le monde se pousse, j'adore. Allez, cassez-vous de là. Il y a combien de véhicules en flamme là? Toujours. Faudrait pas que je clique par mégarde sur le bouton qui annule la mission. Ok. Ah, c'est à partir de maintenant qu'il y a des gens dans les deux véhicules. Ok. Niveau 7 terminé, c'est cool. Tu te... Oh là là, oh l'enfer. Demi-tour. Cette esquive. De tous les instants. Poussez-vous de là. Je suis pressé. Sapeur-pompier en action. Pompier de Portland.
C'est par où? C'est par là? Même les Yakuza s'arrêtent. C'est cool, hein? Non, c'est pas des Yakuza. Qu'est-ce que je raconte? C'est la mafia. Qu'est-ce que je raconte? Allez, éteins-moi tout ça, là. Allez. Ok. Niveau 8 terminé. C'est derrière, c'est derrière. Faut faire demi-tour. Oh, je me suis pris un mur. Oh là là, salement. N'esquinte pas le camion, Tony. Ok, Tony. Fais correctement ton travail de pompier, Tony. Et t'auras pas de soucis avec Don Kiwi Salvatore. J'ai juste pas envie de relancer une game. De relancer une save. Si tu vois ce que je veux dire. Nous sommes là pour le faire à 100% ce jeu. Et je compte bien réussir ma mission. Je compte bien faire une mission accomplie. Ok, c'est cool. Oh le bordel, il y en a qui partent en bas et tout là. Oh sérieusement? Où tu vas toi? Reviens ici. Je t'ai pas éteint. Attends. Attends, mon gars. Tu vas me faire perdre toi? Vraiment? Ok, j'ai eu peur. Niveau 9 terminé. Ok, ok, ok. Alors du coup, tu te trouves où toi? Ne me dis pas que t'es... Oh là 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 là. Ah d'accord, un super lag. Super, génial. Ça fait DJ quoi. Dites-moi que vous êtes ici les mecs. Non, vous êtes sur l'autre portion de l'autre côté. Ah, je vous vois là-bas, je vous vois là-bas. Et vous êtes un petit peu espacés. On va se mettre là. Arrose-moi ça. Ok. Ok, c'est cool. Alors, prochain niveau. C'est où? Pas passer par là, si on peut faire tout le tour là. Mais on a qu'une 28. Faut pas se louper. Faut pas se louper les petits amis. Il
Effectivement, faut pas se louper. Vite. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ce sont des membres des Syndaco, ça, non? J'ai l'impression. Où tu vas, toi? Où tu vas, toi? Reviens ici. Revenez ici, tous, là. Je devrais vous laisser mourir. Allez, poussez-vous. Dernier niveau, c'est pour moi. Je le vois bien comme ça. Par contre, monsieur de la police, là, on fait comment si je ne peux pas vous pousser? Comment on fait? Ok, 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 ils sont là-bas. Elles sont là-bas, elles sont là, je les vois. Parfait. Dernier level. Juste devant la caserne de pompiers, c'est cool. Par contre, alors attendez, non. Alors, moi je veux bien, mais si je me mets là, je vais les envoyer dans la casse là, et ça va me compliquer la vie. Donc je préfère les envoyer contre la caserne. Au moins il y a un mur. Qu'est-ce que tu fais toi? Reste ici. Pourquoi vous venez tous là? Je comprends pas trop votre délire là. Oh, les boueurs qui fait n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des camions de déboueurs aussi à faire, je m'en souvenais plus. Mission terminée. Les flammes n'osent plus te toucher. Je suis invulnérable au feu. Il y a un camion de déboueurs dans le coin là. Bon, pas en voler un, hein. Viens par ici toi. Viens par là. Je peux enchaîner là. Vide l'ébène et apporte les ordures à la décharge. C'est déjà la troisième tentative, les petits amis. Ça va un peu trop vite. Donc là, je suis à l'autre bout de la ville. Hein. Car du coup, j'ai pas su faire les choses correctement. On va vider cette benne en premier. Il y en a une juste là. En fait, dès qu'on défonce la première benne, ça nous déclenche le timer et on a genre 30 secondes pour se rendre à la suivante. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà, c'est parti. La prochaine, elle se trouve juste là. Faut vite que je la défonce. Voilà. 38 secondes. Oh là, mais c'est mission. C'est catastrophique. Faut que je fasse celle-là, là. Je passe ici ou pas? Ouais. Bien joué, Tony, bien joué. Vite. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? C'est quoi leur problème avec leur batte de baseball, là? Ok, ça, c'est fait. Attendez, la prochaine, elle se trouve où? Elle se trouve par là-bas. Dégage de là. T'as sauté ou je t'ai touché? Je t'ai shooté. J'ai pas bien fait gaffe. Est-ce qu'elle se trouverait là? Ouais, je pense. Je pense que ouais. Elle est juste là.
Ok, enchaîne, enchaîne, enchaîne. C'est un peu tendu, mais pourquoi pas? Je ne sais plus du tout ce qu'on gagne. Il y en a une là. Il y en a une là. Elle se trouve là-dedans. Ok. Il y en a une autre là. Je peux l'avoir direct en passant par ici. Où est-ce que t'es? T'es là ici. Ok, c'est cool. Je gagne un tout petit peu de temps. C'est un peu short quand même. Au niveau du temps, c'est un peu short, mais on va s'y faire. On va s'y faire. On n'a pas trop le choix. Attendez, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve pas très loin par ici. Elle est là, je la vois. Oh, je défonce le camion à chaque fois. Ça n'a pas de jeu gyro, ça. En même temps, ça m'aurait étonné. On peut choper laquelle là? On peut choper celle-là? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va choper l'autre là-bas. Ça va qu'elles sont positionnées au même endroit à chaque fois. Lorsqu'on lance les missions éboueurs, elles ne se redispatchent pas aléatoirement sur la map. J'ai constaté ça hein, lors de mes deux premiers essais, les petits amis. De votre côté, vous ne pourrez pas le voir, mais il va falloir me croire sur parole. Alors là, on a une minute pour aller chercher les deux autres là. Elles sont... Ok, elles sont pas très loin. Et après, rendez-vous à la décharge, c'est ça? Ouah, je l'ai raté. Je l'ai raté, je l'ai raté ou pas? Je l'ai raté, mais ça va aller juste là. Ça va, ça va, ça va. On gère. On est l'éboueur le plus efficace de tout Portland. On gère complètement. L'autre, elle est juste là. Retourne à la décharge 2 minutes 10, ça va, tranquille. Bon, c'était une sacrée petite mission. Hein. C'est pas non plus super évident. Non, mais ils roulent n'importe comment, les chauffeurs de taxi. Les taxis, là, je m'occupe de vous juste après, tiens. Dans cette vidéo, on aura fait pompier, éboueur et taxi. Alors moi, je vais aller avoir pour 3 heures d'enregistrement pour faire les 100 courses. Vous, ça va être vite torché. Très vite torché. Par contre, on va pas faire le foufou. On va pas prendre. On va pas faire du hors-piste avec le camion. On va y aller par le chemin normal. Et let's go. Mission terminée. Ok. C'est cool. Bon, maintenant, on va choper un taxi. Et il est temps de faire. Un gros montage. D'ailleurs, toi, ça va être toi, là. Ou toi. Allez, les petits amis. Ça va peut-être être chiant à regarder. Et rendez-vous à la fin de la vidéo.
Et c'est enfin terminé, mission réussie. Un nouveau modèle de taxi vient d'être livré au garage de taxi de Trenton. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pas tout de suite, on ira le voir une prochaine fois. On va juste se stationner. J'arrive plus à parler. À côté de l'hôpital. Et je vous laisse deviner le prochain épisode. Allez, sur ce, les petits amis, je vous dis à plus. Salut à tous. Bye.